Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIB TV, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Nous continuons cette série d'entretiens avec les différents opérateurs du secteur des bâtiments, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme et de la décoration. Et nous avons avec nous sur ce plateau M. Thomas Gilanto, gérant de Serena Alba Maroc. Alors vous êtes spécialisé dans le stockage d'eau avec les citernes souples, oui, comme on les appelle, ouais, en PVC. Donc sur tout type de liquide, hein, oui, que ce soit des produits fertilisants, de l'eau de pluie, etc. C'est ça, l'eau potable, l'hydrocarbure, l'engrais liquide, l'eau de pluie, tout ce qui est liquide, on peut le stocker dans nos citernes. Très bien, alors parlez-nous un peu de Serena Alba Maroc. Alors Serena Alba Maroc, c'est une jeune entreprise. On est arrivé au Maroc en 2016. Donc c'est une boîte familiale. J'ai mon père, moi, qui s'occupe de la Tunisie, c'est là où il y a l'usine. Ma mère qui est en France et on a une filiale en République tchèque. Très bien. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est en bâche, donc les jeux de rideaux, les chapiteaux. Et on est venu ici au salon du CIB pour présenter donc vraiment le produit phare qui est la citerne souple. Donc en fait, vous faites aussi des chapiteaux? On fait aussi des chapiteaux. Donc c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, on ne l'a pas exposé à ce salon. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'eau en ce moment. Donc on a vraiment voulu mettre en avant ce produit. Donc c'est vraiment l'innovation qui est proposée par Serena Alba Maroc sur ce salon international du bâtiment. Oui, parce que c'est un produit qui n'est pas très connu au Maroc. En France, on en a beaucoup. Et au Maroc, c'est encore nouveau. On en vend beaucoup avec le Maroc vert. Et on essaie de rentrer maintenant un peu partout. Parce que les avantages en fait de cette citerne-là, c'est qu'on peut aller jusqu'à 1000 m3. Et il suffit d'avoir un sol qui est plat. Il n'y a pas besoin de préparation, pas besoin de creuser. Et pour vous donner un ordre d'idée, une 250 m3, vous pouvez la transporter dans n'importe quelle voiture. Après, il suffit de la dérouler et en une demi-heure, elle est installée. Donc on déroule ce système de citerne souple. On la remplit et on la déplace assez rapidement et aisément. Jusqu'à 500 m3, vous pouvez la dérouler en trois quarts d'heure, une heure, s'installer avec trois personnes. Après, vous avez des vannes d'entrée, des vannes de sortie, le trop-plein et vous remplissez la citerne. Alors, vous adressez à quel type de clientèle? Alors, on s'adresse énormément aux agriculteurs. On essaie de rentrer au Maroc dans les cliniques. Parce que par exemple, pour stocker l'eau au sous-sol, avec une citerne rigide, vous ne pouvez pas. Parce que au niveau de la place, c'est impossible. Alors qu'avec la citerne souple, comme elle va jusqu'à 1,60 m de hauteur, vous pouvez la mettre sur les sous-sols. Et vous pouvez passer dans les petits endroits, parce que pour la transporter, c'est très facile. Et on peut la mettre aussi sur des toits? On peut la mettre sur les toits aussi. Okay. Donc je l'ai installée sur le toit d'un monsieur qui travaillait à la Lidec. Une petite, une 700 litres, il l'a reliée à son système pour avoir le coup, à la douche, aux toilettes, à l'évier. Il fonctionne avec cette citerne maintenant chez lui. Et en termes d'entretien, comment ça se passe? Alors, en termes d'entretien, une citerne, ça va durer entre 10 et 15 ans. C'est traité anti-UV. Le problème qui peut potentiellement arriver, c'est qu'il y a un coup de couteau sur la bâche. Mais ça se repart facilement. Avec un mètre carré de bâche, un bout de colle, c'est réparé. Très bien. Eh bien, merci Monsieur Thomas Gilanto de Serena Alba Maroc. Une dernière question sur votre appréciation par rapport à votre participation sur ce salon. Eh bien, je suis très content. C'est la première fois que je participe. On reviendra les prochaines années avec un stand plus grand. Et on a eu beaucoup de contacts et des contacts intéressants. Donc, très content du salon. Très bien. Bonne nouvelle à partager aujourd'hui. Justement, dernier jour du Salon international du bâtiment, donc Serena Alba Maroc. Vous êtes à Bernossi, si je ne me trompe pas. Exactement. Très bien, donc voilà, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations, vous êtes visible sur le net avec un site. www.serena-group.com. www.serena-group.com. Merci Thomas Gilanto. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.